Hey Mousta, comment on se retrouve? Ben rien, ça va, qu'est-ce que tu deviens? J'ai monté ma boîte, le fils va sur le chantier, moi je supervise et je promène le chien. Bah t'es bien toi, moi je suis chef d'équipe chez Jardin du Sud. Ça fait longtemps, hein. Tu te souviens quand on était apprenti? Ah c'était chaud quand même, hein. Ouf. Il y en avait des végétaux à reconnaître. Eh ouais, je reconnais toujours pas le romarin. Tu te rappelles le formateur, monsieur Colombo? Sûr, c'était le bon temps, ça. Monsieur Lucas, vous avez vu l'heure? Oh, monsieur, vous avez investi. Ah, l'investissement. Qui peut me citer les différents types d'investissement? On a vu ça la semaine dernière. Ça ne vous dit rien? Messieurs, n'oubliez pas, demain, on part à Mosane sur l'exploitation pour la plantation de nouveaux oliviers. Et surtout, n'oubliez pas vos chaussures de sécurité. Eh ouais, c'est vrai, on était fainéants, c'était pas gagné. Hein. C'est vrai, mais on l'a fait. On a appris des trucs qui nous servent encore aujourd'hui. Eh ouais, mais il y avait pas beaucoup de filles. Ah, heureusement qu'on pouvait sortir le week-end. Pour dépenser de l'argent qu'on avait gagné, faire chauffer la CB... Yeah, one that you wanna listen to. It gets kinda flaky. Look at you, dog, man, I'm trying to live. What's going on, man? Your raps are so tight. Fuck was fat. One that you wanna listen to. Yeah. On ne pouvait pas sortir tous les soirs. Hein. Ah, il y avait du taf, hein. Fallait assurer dès 7h du mat, fallait faire gaffe à ne pas se blesser. Et ouais, fallait suivre les règles de sécurité. On bossait dur, hein. On apprenait à l'UFA, mais aussi sur le terrain. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Walou? On va chez Madame Marcel faire un entretien de jardin et demain, gros chantier pour tomber un arbre à port de bouc. Hein? Oh non! Ha! On se marrait bien, hein? Et on gagnait déjà notre vie en tant qu'apprenti. C'est un truc de fou tout ce qu'on a fait pour en arriver là jusqu'aujourd'hui. On s'est pas mal débrouillé. Ah, c'est vrai. C'était physique et les chantiers étaient variés. Rien de mieux que le travail en extérieur dans la nature et en plus on a fini diplômé et musclé. Bon, j'étais assez vu, je vais à la pêche.